j'ai connaissé Gilbert, Dufrenne, et surtout j'ai dit Günther Anders, qui était un élève et époux de Anna Arendt. Mais je cherchais quelque chose de différent par rapport à la philosophie d'Heidegger, de ses élèves, notamment d'Anders. Donc, je l'ai déjà dit, je suis tombé sur un article de Jean Petitot qui parlait de Simondon, qui en Italie était presque inconnu. Alors, je commençais à me demander, mais qu'est-ce que c'est un philosophe qui parle de l'individuation et en même temps de la technique? Quels sont les rapports qui peuvent exister entre ces processus tels qu'il appelle la formation, l'individuation et la technique? Il semblait un personnage très différent de ceux que j'avais déjà connus. Et voilà, j'ai décidé de me plonger dans ces textes. Et je peux dire que c'est l'histoire d'un amour. Est-ce que tu te souviens, lors de ta première lecture, de ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est le style? Est-ce que ce sont les concepts? Est-ce que c'est le décalage du regard? La précision des termes? Oui, c'est surtout le fait que... en ayant déjà lu sur la technique en philosophie, la différence que je notais est que la façon d'écrire, la façon d'en parler de Simondon, c'était une façon à l'intérieur, je dis, à l'intérieur des machines, à l'intérieur des objets, et pas seulement liée aux effets psychosociaux que la technique peut obtenir sur la société, les hommes, etc. Donc, c'est une façon très différente par celle que j'avais connue, une façon presque métaphysique, telle que celle d'Heidegger. C'était l'idée de parler de la technique, de l'intérieur de la technique, et d'en faire ainsi une opération assez culturelle, c'est-à-dire de montrer la portée théorique qui habite la technique, ses produits, ses objectivations, etc. C'est une façon absolument, je trouvais, originale par rapport aux autres textes sur la technique que j'avais lus. J'ai eu une correspondance avec Michel et il m'a dit, c'est la chose qui m'a frappé, il m'a dit, mon père était très lié à la lecture de Nietzsche. Alors j'adorais, et j'adore encore Nietzsche, et surtout l'idée que la philosophie, la pensée, n'est rien d'abstrait, c'est une chose vécue. Alors l'idée qu'on ne peut pas penser à une pensée sans penser à une vie m'a conduit à me plonger même dans sa biographie. Par exemple, de ses rapports... Avec sa région. Saint-Etienne, donc. Oui, Saint-Etienne. J'entends beaucoup des gens qui se demandent, mais l'intérêt pour les techniques, il est né chez Simondon par le fait que Saint-Etienne, c'est une synthèse, voilà, entre un paysage, je dirais, paysan, agricole et l'industrie. Je sais que Simondon avait obtenu cette synthèse dans sa famille, c'est-à-dire par son oncle Antoine, qui était presque analphabète. Il travaillait dans les mines, il avait appris à écrire et lire tout seul, et il aimait beaucoup les machines agricoles, et il enseignait à Simondon, à Gilbert, au petit Gilbert, le rapport avec la terre, les mines, les machines. Cet oncle était un homme très méthodique. Et quand Gilbert a commencé à étudier la philosophie, il a dit à son oncle, « Tu sais qu'il existe un discours sur la méthode ?» Et bon, son oncle, il est resté surpris. il a dit, mais je peux écrire un discours sur la méthode, je sais toutes les règles de la méthode, je peux le faire tout seul. Et il discutait beaucoup parce que Gilbert préférait la logique à la méthode. Il avait appris à employer, il était très jeune, mais il employait déjà la soudeuse et il jouait avec la soudeuse avec sa sœur. Et avec sa sœur. Et puis encore, il étudiait déjà la perception. Alors il préparait les électrodes et il employait sa sœur pour étudier la perception en mettant les électrodes sur sa face pour voir les réactions, voilà, visuelles. On sait que la perception, c'est un intérêt central pour Simondon. Il avait déjà commencé à l'étudier quand il était enfant. Et il avait un extraordinaire rapport avec les animaux. Et on m'a raconté qu'un jour, un de ses voisins avait donné un coup de fusil à son chien. C'était hasardeux, hein? Et il apportait ce chien à Gilbert. Gilbert l'a pris. Et il faisait des expériments avec les médicaments, il a réussi à l'endormir et il a opéré ce chien, il lui a sauvé la vie. Et il était très jeune, c'était un garçon de 12-13 ans. Hein. Quand son oncle Antoine est mort, il a cassé le verre avec l'aubernoise qui avait été employé pendant les célébrations. Il l'a cassé contre la croix à l'angle de la rue, c'était un rite. Ça voulait dire que Gilbert allait hériter l'expérience de son oncle Antoine. Simondon l'a 12 ans, 14 ans, il décide, il entend parler de la philosophie par ses professeurs ou par d'autres personnes. Non, il a eu des contacts avec des cousins qui étudiait la philosophie et qui lui faisait lire Nietzsche. Nietzsche il a commencé, oui, ouais. Il a commencé en lisant en allemand, hein, en allemand, des passages de Nietzsche. Il s'est passionné à Nietzsche au début, hein. Et là, il décide de faire la philosophie, de continuer, et c'est au lycée Saint-Etienne alors qu'il a ses premiers cours de philosophie. Oui, oui. Mais Monsieur Mouillon a un souvenir du petit Gilbert. Qui tournait sur les arcs du lycée de Saint-Etienne avec le vocabulaire de grec, le bailli, dans le main, et il semblait le connaître presque par cœur, parce qu'il les lisait comme on lit un roman, pas un vocabulaire. C'est l'amour pour la culture grecque, pour les physiologues ioniens, pour l'image de la physis de la nature, Herge de nature, je dirais, la nature originaire des physiologues, plus que la Grèce d'Aristote, de Platon, etc. On est en 1944, Simondon a 20 ans. Ouais. Est-ce que tu sais où il a passé la guerre? Il était à Paris pendant la guerre? Non, je ne sais pas. Et donc c'est une promotion, la rue d'Ulm, qui est une promotion assez particulière. Il y reste 4 ans, il y reste 5 ans, et puis... jusqu'en 1948. Oui, jusqu'en 1948. Et puis, c'est la nomination au lycée de Tours. C'est ça. C'est ça, et il avait déjà obtenu sa licence en philosophie en 1946. Et puis, oui, il obtient l'agrégation en 1948. Il avait suivi le cours de Jean Val. Il avait suivi, Jean Val s'occupait dans les années 47-48, ce sont les cours qui préparaient à l'agrégation, ils s'occupaient du Parménide de Platon, qu'on retrouve beaucoup de fois, il est beaucoup cité, surtout dans la deuxième partie de la thèse, celle qui est dédiée à l'histoire de la notion d'individu, le Parménide est central. Il avait suivi donc les séminaires de Jean Val, de Jean Toussaint de Sainte, qui s'occupait d'une introduction à la philosophie des sciences, dans les années 1947-48, et encore Maurice Merleau-Ponty, qui, avec Georges Canguilhem, devient presque son maître à penser. Il y a deux auteurs qui peuvent être pensés comme des véritables maîtres de Simondon. Et ce sont Merleau-Ponty pour le discours avec le débat, avec la phénoménologie, le rapport entre sujet, objet, la centralité de la relation. Il y a des cours sur la nature de Merleau-Ponty qui disent que la philosophie doit penser, doit commencer à donner à la relation une signification centrale. C'est ce que Simondon va faire. La relation a valeur d'être, il dit. C'était Messieurs Bachelard que lui avait conseillé de continuer à étudier la psychophysiologie avec Messieurs Pierron. Alors Simondon écrit en 1950 à Messieurs Pierron, je retrouvais des lettres en lui disant qu'il est en train de faire des expérimentations avec ses élèves dans les caves, dans le sous-sol. À Tours. Oui, à Tours. Qu'il a un tas d'objets techniques sur lesquels il travaille avec les élèves. Je sais qu'il a continué à travailler jusqu'en 1955 avec ses élèves. De Tours. À Tours, et qu'il avait ouvert un véritable laboratoire à Tours. Il le décrit bien, il y a des articles du 1953-54 dans lesquels il décrit parfaitement tous les objets qu'il possède, tout ce qu'il va faire. Mais surtout, il faut aussi étudier la technique. Et c'est l'idée centrale du mode, la technique c'est de la culture. On ne peut pas penser à une culture complète sans étudier la technique comme une manifestation, une construction authentiquement humaine. C'est ça le nouvel humanisme de Simondon. C'est-à-dire penser l'homme avec la technique comme quelque chose qui lui appartient, qui est un véritable témoignage de l'homme. Ce qui reste de l'homme, c'est toujours la mémoire. Oui. 1955, ouais. Il est nommé à Poitiers, ouais. Où il enseigne. Où il enseigne la psychologie. Il avait installé son bureau au sommet d'une tour. Et Monsieur Mouillon me dit qu'il semblait un magicien pour son rapport avec les éléments, avec les objets. Pas du tout un technicien, un spécialiste, mais un magicien pour comment dire, l'empathie qu'il avait avec ce qu'il faisait. Voilà. Et toutes ces années-là, tu as des témoignages sur la façon dont il était regardé, parce que tout de même, on est en pleine époque marxiste, on est en pleine époque psychanalytique également, on parle du sujet et on parle des luttes de classe, on ne parle pas du tout de la technique. Voilà. Et lui en parle de façon tout à fait, me semble-t-il, non marxiste. Oui, je partage ce point de vue. Mais cela ne démontre pas une certaine ignorance du marxisme. C'est tout au contraire, je dis, un choix philosophique. Celle peut-être de parler de l'aliénation des hommes comme d'un phénomène antérieur à l'aliénation des machines conçues, saisies comme témoignage de ce qui reste de l'homme. Tu connais les raisons pour lesquelles il a perdu son enseignement en 1976 ? C'est à cause du fait que son état mental n'était pas bon. Il avait un tas de problèmes avec ses collègues. C'est très, très triste, cette partie. Hein. J'aime pas en parler beaucoup, mais oui, je le sais, il avait des difficultés à se rapporter à ses collègues à cause des médicaments et tout ça. Mais tu dis, je n'aime pas en parler beaucoup. C'est vrai que peu de gens en parlent. Il y a une sorte de tabou. Pourtant, la phrase qui est écrite sur sa tombe, c'est une phrase de l'individuation psychique et collective. Il appartient aux vivants de garder les morts dans une perpétuelle nécouya. Et je pense que nous aussi, en tant qu'héritiers intellectuels, on doit aller jusque-là, on peut aller jusque-là. On doit s'interroger, me semble-t-il, sur les liens entre cette philosophie, cette individuation philosophique, et puis ce qu'elle a produit chez Simondon. Alors peut-être revenons vraiment au début. Tu parlais de son enfance. C'est un caractère qui a toujours manifesté un rapport à ce qui n'est pas humain, mais ce qui est produit par l'humain, en tout cas ce qui est loin du jeu social, mais la machine, l'animal, les morts dont tu parlais, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un désert humain, en tout cas, il a... Mais c'est une individualité qui s'est construite donc dans une solitude qui, visiblement, ne va faire que s'affirmer et que s'accroître. La notion de solitude, c'est central chez Simondon. Si vous pensez à l'épreuve de la transindividualité, c'est la solitude. C'est quelque chose qui ne reste pas fermé à l'intérieur des limites, des bornes de l'individu. C'est une image d'une individualité ouverte. Et l'ouverture, c'est la même idée de la mentalité technique. La mentalité technique, c'est une mentalité ouverte. Et comme l'individu, l'individu est ouvert. Et la solitude, c'est une expérience ouverte. Nous sommes à San Cataldo, près de Lecce. Giovanni, c'est un lieu de rencontre entre le monde humain. C'est un monde que Simondon aurait regardé sous l'angle de la techno-esthétique, je pense. Oui. Tu vois, quand je lis Simondon, je retrouve nombreuses typologies différentes de discours sur l'esthétique. Alors je crois qu'il y a un discours sur la pensée esthétique, un discours sur l'esthétique de la technique et encore un discours sur la techno-esthétique. J'ai retrouvé des différences très fortes, si tu veux, parmi ces discours-là. Première chose à dire est que ce que Simondon dit de la pensée esthétique, alors il me semble que c'est un discours qui reprend de Michel Dufrenne et surtout à partir de l'idée d'insertion, du rapport qu'il retrouve entre la figure et le fond, tout le discours lié au point clé. Et alors, les ruines, voilà, les ruines des châteaux qui se trouvent au sommet des montagnes et qui cherchent à retrouver un fond naturel, retrouver la synthèse entre le geste humain et le fond tout à fait naturel. C'est une synthèse, je dirais, originaire de l'originaire, un originaire qui n'est pas une origine de temps, mais c'est un originaire conçu, encore une fois, comme une phase, comme un espace. Puis je dis, il y a un autre discours, c'est le discours sur la techno-esthétique, c'est le discours qu'il fait dans la lettre qu'il écrit à Derrida du 1982, et c'est une lettre dans laquelle il demande de partager les projets du Collège international de philosophie de Derrida. Derrida avait adressé à nombreux professeurs internationaux cette lettre, et Gilbert Simondon lui va répondre, et il commence à analyser un thème que je dis central. L'idée de faire une synthèse entre deux domaines qui semblent tout à fait, j'emploie un terme de Simondon, disparates. C'est-à-dire la technologie d'une part et de l'autre l'esthétique. Alors, il ne faut plus parler d'esthétique de la technique ou de la pensée esthétique tout court. Il faut penser à quelque chose qui fait une synthèse de l'intérieur. Et alors, il faut modifier le concept, il faut modifier les notions, il faut modifier le point de vue à l'égard du rapport entre technique et esthétique. Et voilà qu'il produit, je dis, un nouvel terme, mais qui pense aussi à une nouvelle expérience. Je reprends ce terme de Dufresne, expérience esthétique. Il parle d'une expérience techno-esthétique. Et quelles sont les différences entre l'esthétique et Pour toi, la racine de cette pensée, c'est une intuition. Il y a une vision du monde qui ordonne tout. C'est vraiment le moteur de cette pensée, c'est une intuition. Je crois que oui, je crois que Simondon était un grand intuitif d'abord. Et c'est vrai non seulement sur le plan de sa personnalité, mais aussi sur le plan de ce qu'il revendique en tant qu'outil philosophique, puisqu'il revendique l'intuition, à la suite de Bergson. Alors, ce n'est pas la même intuition, mais il revendique explicitement un héritage bergsonien, dans plusieurs textes, dont notamment Du mode d'existence de technique, où il reprend la catégorie de l'intuition en référence à Bergson, en dialogue avec Bergson, et il a besoin de cette particularité de l'intuition par rapport à ce qu'il appelle l'idée et le concept. Et cette particularité qui est que, par l'intuition, la connaissance de l'individuation sera aussi individuation de la connaissance. C'est-à-dire que là, on n'a plus d'opposition entre le sujet et l'objet. Et ça, vraiment, pour moi, c'est l'obsession fondamentale de Simondon. Et c'est d'ailleurs aussi une obsession, je crois, des plus grands penseurs du XXe siècle. Hein, de ne plus opposer le sujet et l'objet. Et chaque penseur a un mode propre de faire qu'il n'y ait plus cette opposition sujet-objet. Il est d'abord un philosophe qui hérite d'une grande tradition philosophique et de grandes questions propres à la philosophie. Et il ne s'enferme jamais, même s'il a toujours besoin d'expérience, c'est vrai, il a toujours besoin de quelque chose de concret, mais il ne s'enferme jamais dans une sorte de pauvre positivité scientiste. Et il a besoin d'être d'abord sur le plan des grandes interrogations philosophiques, y compris sur la technique. C'est ça qui est génial dans ce texte, c'est qu'il va penser la technique avec une vraie compétence technique, un vrai souci de l'exemple concret, mais il le fait avec un geste fondamentalement philosophique. L'individuation, c'est un concept dont il hérite, ou c'est un concept qu'il forge tout à fait à neuf? Chez Simondon, l'individuation n'est pas seulement une individualisation qui va permettre de différencier les individus, elle est d'abord et plus largement la genèse. Et c'est pour cela que lorsqu'il thématise l'individuation, il s'agit de l'individuation de toute chose, que ce soit des êtres physiques, des êtres vivants psychosociaux. L'individuation est la genèse. Alors ensuite, bien sûr, il y a à l'intérieur de cette thématique de l'individuation des particularités. Par exemple, il va utiliser la notion d'individualisation justement pour retrouver un processus de différenciation des individus, non plus seulement donc de genèse, mais de genèse perpétuée qui va permettre à chacun de se différencier. Un être vivant est un être qui s'individue toute sa vie. Et cette individuation perpétuée, qui n'est plus simplement une genèse mais une genèse prolongée, cette genèse prolongée qu'est la vie, est de ce fait même également une individualisation, puisque chaque individu vivant est tout à fait spécifique, différent des autres. L'individu est le sujet traditionnel de la philosophie. C'est pas le sujet de Simondon, qui privilégie, plutôt que l'être constitué qu'est l'individu, l'être en devenir, le processus par lequel un individu devient ce qu'il est, et aussi devient ce qu'il n'est pas. Ce processus, Simondon va l'appeler l'individuation. Il multiplie les mots pour accéder à des réalités qui ne sont pas ordinaires. Mais c'est aussi ce que fait l'Esquimau, qui multiplie les mots pour parler de la neige afin de saisir des différences que d'autres ne voient pas. L'individuation est basé sur ce que Simondon appelle le pré-individuel. L'être des origines, l'être sans phase, l'être rempli d'énergie potentielle, mais non encore structuré. Et après son individuation, dans son prolongement, l'être humain va accéder, parfois, à ce que Simondon appelle le transindividuel, c'est-à-dire ce prolongement de lui-même sur base des énergies du début, sur base des énergies pré-individuelles qui lui permet parfois d'accéder au sens, d'accéder à l'autre. Alors, après la question c'est de savoir qu'est-ce que ça peut bien être qu'une réalité qui n'est pas faite d'unité individualisée ou individuée. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, Simondon nous dit à plusieurs reprises qu'il y a dans la physique contemporaine la plus complexe, la plus fondamentale aussi, il y a quelque chose dans cette physique qui peut nous donner l'idée de ce qu'est le pré-individuel. C'est bien sûr, dans cette physique, c'est bien sûr la fameuse dualité de l'onde et du corpuscule. Parce que dans cette dualité de l'onde et du corpuscule, le corpuscule n'est pas, à strictement parler, un individu. Et comme il y a fondamentalement cette dualité, comme cette dualité onde-corpuscule est quelque part l'image de l'individu et de son milieu associé, mais simplement une image, parce que la particule n'étant pas vraiment un individu, l'onde n'est pas non plus un milieu associé. Mais on a besoin d'un couple, individu-onde-corpuscule-onde, corpuscule-onde, on a besoin de ce couple pour donner l'idée de ce qu'est le pré-individuel avant qu'il ne s'appauvrisse en individu et son milieu associé. L'individu doit être pensé toujours en liaison avec un milieu associé. Eh bien, cela vient du fait que le pré-individuel est plus qu'individu. Il est plus qu'un, dit Simondon. Il n'est pas du non-un, il est du plus qu'un. Et cet individu, et finalement cette individuation est un appauvrissement. Et donc seule l'image du couple onde-corpuscule peut donner une idée de ce plus qu'un qu'était le pré-individuel originel. Ce qui fait que l'ontologie, tout en étant philosophique, rejoint les grandes préoccupations de la physique concernant l'origine de l'univers. Avant le Big Bang, la question est qu'y avait-il avant le Big Bang? On parle là de soupe quantique, où effectivement le processus d'individuation n'était pas encore enclenché. Hey Serge. Serge and the oscillation. The middle island is it's a bit busy over here. So the morning work. I'm sorry for this. So after you Allô? Ouais. Non, je... La conviction de Simondon est la suivante. En science, on sait bien, et ça, je dirais, on le sait encore aujourd'hui, on le sait, c'est une... En science, l'analogie n'est certes pas un instrument de connaissance, mais elle est un outil heuristique qui permet l'invention de départ, l'intuition. L'analogie a beaucoup été utilisée par les physiciens, notamment pour construire des intuitions en vue de découvertes. En philosophie, elle doit pouvoir devenir plus qu'un outil heuristique. Elle doit pouvoir devenir un instrument de connaissance philosophique, donc fondamentalement relative, puisque la connaissance de l'individuation est individuation de la connaissance. C'est un processus jamais achevé. Et puis par ailleurs, l'objet que je pense est en train de me faire, puisque il s'individue en moi. Alors à partir de là, on peut concevoir avec Simondon qu'il y a une réhabilitation de l'analogie qui est possible, mais d'abord en philosophie, pas en science. En science, elle restera simplement heuristique. Et deuxièmement, ce seront des analogies opératoires et non pas structurales, parce que l'analogie structurale n'est qu'une ressemblance. Donc là, c'est vraiment très précis chez lui, et il est en accord sur ce plan-là, je crois, enfin, du moins, c'est ce qu'il revendique. Il revendique un accord sur ce plan avec le grand projet de la cybernétique de Wiener, que lui considère, lui-même, hein, que Simondon considère comme un projet fondamentalement analogique et opératoire, et non pas structural. Ça a été un des premiers à introduire en France la cybernétique et à la connaître. Oui, il a été vraiment, parmi les philosophes français de l'époque, il a vraiment été celui qui a voulu introduire la cybernétique comme, je dirais, alors ça c'est ma façon peut-être de présenter les choses, mais je dirais volontiers que dans son esprit, c'est ce qui permet à la philosophie de se réaliser par son au-dehors. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que il y a eu, avant Simondon, il y a eu de grands penseurs qui ont voulu réaliser la philosophie par un au-dehors, par exemple Marx, qui a voulu réaliser la philosophie, comme on le sait bien, hein, il a voulu réaliser la philosophie par une science matérialiste et historique qui ne soit plus philosophique. Donc réaliser la philosophie par son au-dehors. Eh bien Simondon a envisagé, je crois, le même genre de geste, avec un projet qui ne l'appelait pas cybernétique, parce qu'il voulait se différencier sur certains points très importants, il voulait se différencier de Wiener, mais il l'appelait tout de même la cybernétique universelle, ou bien la lagmatique. Et il avait donc ce projet de réaliser la philosophie par son au-dehors. Alors, la lagmatique est la théorie des opérations. Une opération, c'est un processus par lequel une structure se transforme en une autre structure. La science, en général, est structurelle, et Simondon, lui, va décrire des opérations. Parmi ces opérations, la transduction, qui est l'opération par laquelle la modification d'une structure se transforme de proche en proche. Par exemple, une révolte sociale qui se propage dans le corps social. Ou bien la structuration d'un cristal qui se propage dans une homère. Structure et opération sont les deux pôles de la théorie. Je crois que Simondon est le premier penseur de la technoscience, parce que finalement, à travers son usage des paradigmes de la physique contemporaine, et notamment des paradigmes de la physique quantique, qui est, pour moi, la physique quantique est pour moi l'origine de ce qu'on appelle la technoscience, puisque la physique quantique, c'est cette physique qui nous dit qu'il n'y a pas d'objet de connaissance sans une interaction entre l'instrument de mesure et l'objet mesuré. Interaction qui est insuppressible. Il y a une interaction minimale insuppressible, c'est le fameux quantum d'action. Ce qui veut donc dire que la technique est constitutive de la connaissance objective. La physique quantique est donc l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière souvent vague, la technoscience. Et Simondon, à travers son usage des paradigmes quantiques, et à travers également, bien sûr, en complément, sa pensée de la technique, a posé les bases d'une vraie pensée de la technoscience, et donc d'une pensée pour aujourd'hui. dans la grotte du Mas d'Asile pour mettre en résonance votre savoir sur la préhistoire et les théories de Simondon sur ce qu'il appelle l'unité magique primitive, qui pour tous les lecteurs de Simondon sont des pages mémorables, mais aussi des pages pleines de questions. C'était les pages qu'il disait préférées dans toute son œuvre, où il fait une hypothèse que l'humanité fait l'expérience de ce qu'il appelle une indistinction entre le sujet et l'objet. On vit, nous, dans un monde où tout ce qui est subjectif et tout ce qui est objectif, tout ce qui est humain et tout ce qui est inhumain, animaux, plantes, pierres, et dans un autre monde. Ce que vous me dites résonne tout à fait avec ce que l'on connaît de la préhistoire, et pas seulement de la préhistoire, hein, parce que cette relation fusionnelle avec la nature, on ne l'a pas que dans la préhistoire. On l'a chez ce qu'on peut appeler les peuples traditionnels ou les peuples de la nature, c'est-à-dire les aborigènes australiens jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, les Indiens des Amériques jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps aussi, les Bushmen du sud de l'Afrique. Donc des gens qui vivaient au contact constant de la nature, surtout des chasseurs-cueilleurs, mais pas seulement des chasseurs-cueilleurs, pour qui la nature est vivante. Et donc, eux font partie de la nature. Par exemple, en Australie, quand les premiers Anglais sont arrivés, etc., ils ont parlé avec les aborigènes, avec les interprètes, et ils ont demandé à qui s'appartenaient ces terres. Les gens, ils n'ont pas compris. Parce que pour eux, la question, et c'était ça il n'y a même pas 3 siècles, il y a 2 siècles et demi, la question ne faisait pas sens. Parce que la terre ne peut pas appartenir à quelqu'un. Les gens appartiennent tous au même monde, c'est exactement ça. Hein. Mais ça, c'est pas que dans la préhistoire, hein, monsieur. Ça, on en a une expérience quasi contemporaine. Donc vous seriez en phase avec cette idée d'une relation plus fusionnelle entre l'homme et la nature. Oui, bien sûr. Mais est-ce que le mot magie est correct pour la décrire? Moi, je ne parlerai pas de magie. Moi, je parle de fluidité. De fluidité. C'est une fluidité, c'est une conception fluide du monde, c'est-à-dire où il n'y a pas les barrières que nous mettons, nous, dans notre culture. Je pense que Simondon utilise le mot magie pour décrire cette fluidité dont vous parlez, ce continuum où il n'y a pas de différents sujets-objets, ouais. Mais il dit, et ça c'est très fort, c'est pas seulement un continuum, c'est un continuum où il y a des points clés, et il y a des moments clés, des points dans le paysage, ou des animaux qui deviendraient totémiques, etc. Et alors, ce point clé, c'est peut-être la grotte. Oui, oui. Pourquoi la grotte alors? Oui, les grottes, évidemment, c'est évident, parce que dans beaucoup d'endroits, la roche renferme des esprits. Vous voyez, on a ça en Australie, par exemple, très souvent. Les esprits, les minis, les quincans, etc., ils sortent des fissures des roches. Si vous avez une grotte, on pénètre dans un monde qui est complètement noir, où il y a des concrétions qui sont des choses bizarres qu'on ne voit pas à l'extérieur. Les parois sont toutes biscornues, on y voit toutes les formes qu'on veut y voir, et ça stimule vraiment l'imagination. Et c'est pour ça qu'il y a des gens quand même qui sont très impressionnés par les grottes. Alors que les grottes aient joué ce rôle, moi je suis absolument persuadé. Toujours dans la théorie de Simondon, l'art occupe une place également, parce que il dit il y a cette unité magique primitive qui implose et l'humanité suit 2 voies, une voie où elle se spécialise dans tout ce qui est religieux et puis qui va donner la morale, les grandes théories, ce qui est les grandes productions du sujet. Et puis, une autre voie, qui est la technique, la science aussi, où c'est l'objet qui domine. Et il parle de l'art comme d'une manière de tenter de retrouver ce rapport primitif, ce rapport originaire au monde. Il a une sorte de théories qui essayent de justifier le pourquoi de l'art, ou le, en disant c'est dans l'art que l'humain retrouve un contact élu, je dirais, un contact plein, un contact entier avec, avec le monde. Et les chamans de la préhistoire étaient aussi les artistes de la préhistoire? Ah, ça, on ne sait pas trop. Mais moi je le crois, mais je suis persuadé, mais on n'a pas la preuve. Hein. Oui, parce qu'à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, et ça, c'est une hypothèse, hein, parce que si on admet que la peinture a un rôle magique, au sens où on l'employait tout à l'heure, c'est-à-dire influe sur la réalité surnaturelle, c'est logique que ce soit le chaman qui le fasse. Mais c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que quand le chaman amène, mettons, des jeunes dans une grotte pour des cérémonies d'initiation, il peut très bien leur dire, ben, il faut que vous entrez en contact avec le surnaturel, vous allez mettre votre main là, on souffle la peinture dessus, vous allez faire un dessin, ou un malade, vous voyez. Alors là on fabule, là on tombe dans le roman préhistorique. Moi, pour moi, les deux concepts fondamentaux à la base du chamanisme, un c'est la fluidité, la conception de la fluidité, et deux, c'est la perméabilité. C'est-à-dire que les mondes ne sont pas imperméables, et les deux sont liés, bien entendu. Et il y en a un autre, c'est la complexité aussi, bien entendu. Ces mondes chamaniques, ils ne sont pas simples. Hein. On ne peut voir que ce que notre esprit est prêt à voir. Il faut que le concept soit déjà là. Sinon, on ne le verra pas. Alors, dans les grottes, les gens qui entraient avec ça, ben, on dit, si on regarde, on va voir, je sais pas moi, on peut voir une tête, on peut voir, tenez, regardez, ça là par exemple, vous voyez, ben, si je rajoute un œil ici, je mets un trait ici pour la bouche, je vais pas faire une tête de lion avec une oreille, là, voilà, je fais une tête de lion, vous voyez, mais il faut le chercher, en temps normal, nous on le fera pas, eux oui. Simondon nous propose quand même une philosophie tout à fait générale, une grande philosophie, en quelque sorte, avec toutes les parties importantes de la philosophie. On pourrait aussi bien repérer chez lui une ontologie, assez originale d'ailleurs, mais c'est pas seulement une éthique ou seulement une philosophie politique. Peut-être que la philosophie politique chez Simondon n'est guère développée, c'est pas où il faudrait la reconstituer de façon indirecte, en quelque sorte. Donc un premier point, c'est l'articulation philosophie de la technique, philosophie de la nature, ça me paraît très important. Un autre point important, c'est au fond un aspect assez classique de Simondon, c'est sa critique de l'idéomorphisme. Sa critique de l'idéomorphisme, je la trouve très intéressante, en particulier pour ceci, c'est qu'il nous dit au fond que les formes sont aussi matérielles, que les paradigmes sont matériels et évoluent, donc aussi imparfaits. Ils sont aussi de la matière informée et informante, bien entendu. Et ça me paraît très important parce que c'est très utilisable aujourd'hui aussi parce qu'on a une tendance à parler d'immatériel, de virtuel, d'informel et de parler d'ontologie informatique ou d'une ontologie de l'information, etc. Je crois qu'on s'égare un peu si on oublie, pour reprendre un vocabulaire simondonien, que le moule lui-même a été fabriqué, est concret, est le résultat de tension, d'un travail, etc. et que selon les moules, les briques seront plus ou moins différentes, et même la succession des briques dans le même moule, selon les circonstances peut-être. Donc ça c'est très important, hein. C'est un matérialisme très fort et très subtil. nous avons l'impression d'être environnés de boîtes noires, c'est-à-dire que nous utilisons des tas de techniques que nous ne comprenons pas. Je crois que Simondon avait une vive conscience de cela et que une partie de son effort et de son souhait, de son espoir, c'était justement de développer une culture technoscientifique qui serait telle que l'homme normalement éduqué n'éprouverait plus cette impression d'être environné de boîtes noires qu'il sait plus ou moins utiliser, enfin certaines fonctionnalités il peut les utiliser, mais dont il ignore tout en ce qui concerne le fonctionnement interne. On est dans un lieu ici où il y avait déjà un moulin au IVe siècle après Jésus-Christ, et il y en a eu un autre au XVIe, et puis celui-ci date du XIXe. Et c'est vraiment un de ces lieux dont Simondon parle en disant que ce sont des nœuds, des nœuds techniques dans le réseau naturel et technique. Il y avait déjà réseau. Il y avait déjà réseau, et dès qu'il y a technique, il y a réseau, finalement. Mais Simondon donne une portée beaucoup plus importante à cette notion de réseau à travers la cybernétique et à travers tout ce qui est high-tech. Là, il faut quand même remarquer que dans un moulin, par exemple, comme maintenant on est assez haut dans le moulin, quand on pense à la Tour Eiffel, par exemple, ou à une antenne, il y a toujours cette dimension très verticale de l'objet technique qui constitue le réseau. Ce sont des points hauts, par exemple, qui constituent ces points chauds qui constituent le réseau. Avec la société high-tech, il y a quelque chose de totalement différent, je crois, qui se passe. En fait, cette dimension verticale, on pourrait peut-être dire transcendantale, s'en fond dans l'individu lui-même. Les objets techniques sont tout à fait à notre niveau et deviennent en fait des objets prothétiques. Ils deviennent des parties de notre corps, comme la Tour Eiffel ne l'est pas, ou le moulin ne l'est pas. Mon ordinateur est bien sûr lié à des points comme ça, mais il est lié à mon corps dans une façon, je crois, totalement différente que le moulin ou une antenne ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment que la technique devient partie de notre corps et quelque chose comme un corps extensif ou extérieur. Et quand il y a des problèmes avec des objets techniques comme ça, comme un ordinateur, on croit vraiment qu'on souffre presque un problème du corps ou de la psyché. Comme des gens ont dit, Andy Clark, par exemple son livre Natural Born Cyborgs, où il dit comme un ordinateur fini de travailler, j'ai l'impression d'avoir souffert un infarctus ou quelque chose comme ça, je ne peux pas vivre pendant des jours parce que mon ordinateur ne fonctionne plus. Quand quelqu'un frappe mon ordinateur, j'ai l'impression d'être frappé moi-même, par exemple. Je crois que cette relation-là, c'est aussi... ça fait aussi partie d'un réseau, mais c'est un réseau qui est quand même différent du réseau, je crois, duquel Simondon parle. Je crois qu'on a la tendance d'oublier la question de technologie dans les sociétés dans lesquelles on vit, parce qu'il y a de la technologie partout, et c'est entendu qu'il faut travailler avec des objets comme ça pour fonctionner dans la société moderne, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir sur ça. Plus que jamais, comme la technologie est devenue notre élément vraiment, il faut qu'on réfléchisse sur les objets techniques et ce qu'ils font avec notre esprit, par exemple. C'est ça aussi la question spirituelle. Ce n'est pas seulement la question la spiritualité comme théologie ou comme mysticisme ou la question du cosmos, par exemple, une spiritualité comme ça. C'est aussi vraiment la question du psyché, de notre esprit, de la pensée, de comment penser dans une situation comme ça où notre attention est tout le temps divisée par les différents dispositifs des réseaux sociaux où il faut maintenir son statut. Maintenant, on est dans le moulin, par exemple, il faut que je change mon statut à Facebook. Je n'ai pas de compte Facebook, mais si j'aurais un compte, il faut faire ça. Quelque chose se passe là et c'est une sorte de... un événement spirituel. Et il faut réfléchir sur ça parce que la question de l'attention est très importante dans l'éducation, dans l'art par exemple aussi, pour la communication, pour l'invention. Il faut de l'attention pour faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, quand on parle du high-tech, l'état où la plupart des high-tech est produit, c'est la Californie. Mais donc, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a beaucoup de cultures qui mergent là. C'est pas seulement la culture high-tech, mais c'est aussi lié, cette culture, à la culture des hippies en Californie, les hackers, par exemple, et les surfers aussi. Et toutes ces cultures sont vraiment mélangées. Donc, par exemple, les hackers, c'est une culture très technologique, technique, mais c'est aussi... il y a aussi une spiritualité qui est liée à cette culture-là et c'est vraiment une sorte de mode de vie, la vie hacker. C'est une sorte d'individuation, être hacker aussi et pratiquer cette mode de vie. C'est politique, bien sûr, parce que c'est contre le capitalisme, par exemple, contre les grandes corporations. Donc, si on lit des textes sur ce sujet-là, on voit vraiment qu'il y a une sorte de nouvelle... spiritualité et aussi une nouvelle politique spirituelle qui est en train de se constituer à travers de l'Internet, par exemple, des nouveaux objets techniques. Mais ça prend un peu de travail, bien sûr. Comme Foucault disait dans son travail sur les techniques de soi, le soin de soi-même, le soin de soi, ce n'est pas une rest cure, je ne sais pas comment dire, une sorte de cure de repos. Oui, c'est pas ça. C'est une sorte de travail sur soi. Et la philosophie, c'est ça, je crois. Ça se passe à travers des techniques de soi. Et c'est aussi dans ce contexte-là que je trouve cette réflexion sur la technique Simondon en fait très intéressante. C'est étonnant parce que, à y réfléchir, il y a très peu de spiritualité ou de pensée cosmique et a fortiori peu de théologie qui donne une place à l'objet technique. Mm-hmm. La technique, c'est de l'ordre tantôt du divertissement, tantôt du labeur ou de la transformation du monde, mais en tout cas c'est ce qui nous éloigne mm-hmm. dans la pensée traditionnelle, et là qu'elle soit occidentale ou orientale, c'est ce qui nous éloigne des questions liées à la vie et au fait que cette vie a une fin. Mm-hmm. Et là, tu évoques une spiritualité qui est en prise avec un milieu high-tech. Mm-hmm. C'est une des premières fois peut-être qu'on voit un lien de cette nature se dessiner. Mais c'est exactement ce que tu disais. Je crois que c'est une question de voir l'objet technique et réfléchir sur l'objet technique. Et là, il faut se demander aussi cette question de l'esthétique du high-tech, tu vois. Il y a quelque chose dans les objets high-tech qui ne veulent pas être vus, ces objets-là. Si tu réfléchis à Apple, par exemple, et l'esthétique d'Apple, c'est toute une esthétique de la transparence. On regarde à travers ces objets-là, on ne les voit pas. C'est une sorte de fenêtre, et on voit à travers de cette fenêtre, et on voit tout ce qu'on est en train d'écrire ou de filmer ou je ne sais pas quoi. Mais l'objet lui-même disparaît dans ce processus-là, dans cette esthétique de transparence. Donc je crois réfléchir sur la technique, penser la technique, ça veut dire aussi aller un peu contre cette esthétique de la transparence et vraiment essayer de comprendre, de penser à travers cet objet-là sans l'obfusquer ou l'oublier, en fait. Mmh. Donc opérer dans une certaine façon contre l'oubliance qui fait partie du mode high-tech aussi. Parce que c'est ça aussi, je crois, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de la technologie partout, et quand quelque chose est partout, on ne le voit plus. Si j'ai bonne mémoire, Simondon, donc, qui est né en 24, a dû croiser Althusser, qui, lui, avait été fait prisonnier en 39, n'avait pas fait ses années d'école, et se trouvait dans la génération qui, au lendemain de la guerre, a rattrapé, si on peut dire. Donc, ils ont dû se rencontrer à ce moment-là. En tout cas, Althusser le connaissait bien. Il y avait pour lui beaucoup d'amitié, ce que j'ai vérifié bien des années plus tard, au moment où Althusser était enfermé à Sainte-Anne suite au meurtre de son épouse. Il était au pavillon des Nicaires, et j'étais un des seuls à avoir le droit de lui rendre visite. Et un jour il me dit « Oh mais j'ai vu Simondon. Il est là, il est toujours aussi fou. » Alors et de fait, en sortant, j'ai rencontré Gilbert Simondon. Vous lui avez parlé ? Je lui ai parlé, effectivement, et il m'a dit « Oui, j'ai pris une chambre ici, je fais des expérimentations sur mon cerveau », ce qui quand même m'a laissé pantois, mais enfin, dans cette période-là, il y avait le meurtre, il y avait... Tout était possible, enfin... On a assez vite, mais ça c'est sous l'impulsion de Canguilhem, lu du mode d'existence des objets techniques. Mais c'est tout. c'est vrai qu'il y a eu une véritable ignorance de cette œuvre. Et de ces ignorances très particulières qui tiennent à ce qu'on n'a pas idée d'aller les lire. Elles existent, mais ça arrive par moments. C'est la pire des situations. On n'a pas idée d'aller les lire. Et pourquoi? À cause de, à mon avis, pour deux raisons au moins. J'en vois deux, moi, en tout cas. Alors je vais parler de façon personnelle. Moi, il y en a deux qu'il faut que je n'ai pas été chercher davantage. J'aurais pu regarder. Non. Surtout que le livre m'avait plu. C'est un, c'est Marx. Oui. Ouais, parce que la technique, c'était une question qui nous renvoyait au marxisme. Et les catégories de Simondon en sont tellement éloignées, c'est très exotique, c'est pas le vocabulaire. Faut quand même prendre la mesure de ce que c'était que le poids, non pas de la pensée de Marx, mais du vocabulaire marxiste. Il y avait une espèce, c'était une époque où il fallait prononcer certains mots qui jouent comme mot de passe pour entrer dans une œuvre. Si ça n'y était pas, on se disait suspect. Et puis même peut-être pas sérieux. Enfin, ça ne pouvait pas entrer. Bon. Et la deuxième qui perdure, c'est Heidegger. Il y avait quand même contre Heidegger qui avait réglé la question une fois pour toutes, dans la question de la technique. Bon. Et donc, beaucoup de philosophes, et non des moindres, estimaient qu'ils étaient en règle avec cette question un peu sale, et que, au fond, c'était perdre beaucoup de temps que d'approfondir une réflexion sur la technique. Les bons philosophes, ce sont ceux qui suscitent la passion. Un philosophe qui ne suscite pas la passion, il n'est pas un philosophe. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'un bon philosophe, un vrai philosophe, je ne sais pas comment le qualifier, c'est quelqu'un qui vient déranger quelque chose dans l'accord préexistant chez son lecteur entre ses affects et son intelligence. Alors il peut susciter un rejet total. On voit ça. Moi, j'ai des philosophes que il m'a fallu 40 ans d'efforts sur mes affects pour arriver à simplement lire une ligne, et quelquefois des grands. Mais d'un autre côté, s'il vous éclaire sur cette couture entre l'affect et votre pensée, alors il peut susciter un amour délirant. Jusqu'à un amour délirant. C'est là un auteur qui met en scène et qui parle d'une relation avec les machines qui est tout à fait particulière. Oui. Je n'en vois d'équivalent que justement dans Friedman. Une relation à la machine qui en vient à, si je ne m'abuse, à dire qu'il faut libérer les machines. Formule qu'adorait Gilles Châtelet, dont on vient de republier quelques textes. Libérer les machines, ce n'est pas l'homme qu'il faut libérer de la machine, c'est la machine qu'il faut libérer de l'usage que l'homme lui impose, lui assigne. Ce qui est aliéné, c'est la machine et non pas l'homme. Mais si on désaliène la machine, on contribue à l'épanouissement de l'être humain. Je trouve ça très, très fort. Parce qu'au fond, ce qui est la difficulté, c'est l'homme. C'est pas la machine. Si vous avez comme idéal d'exterminer les Juifs, la machine vient après. Et c'est pas la machine. Et je trouve extraordinaire qu'Auschwitz ait pu servir d'argument pour l'heideggerianisme. C'est vraiment un paradoxe. Alors c'est très simple, n'importe qui peut comprendre ça. Tout à fait. Ouais, je me sens assez proche de Simondon via Bachelard. Bon. Je pense que c'est essentiel, ça, ce dynamisme-là. Ce mouvement. Et ce mouvement vers le mieux. Ce qui aujourd'hui est considéré comme d'une naïveté considérable, regrettable. Quand on vous dit qu'on pourrait améliorer quoi que ce soit, on est superficiel, puisque pour être profond, il faut être sombre, voire noir. La pensée d'aujourd'hui, elle se porte noire. À quoi bon alors la philosophie ? À vous enfermer dans votre rumination morose? Est-ce que la philosophie vaut une heure de peine si c'est pour aggraver de paroles solennelles des peurs et des craintes que n'importe qui a légitimement dans un monde qui est plein de tumultes? À quoi ça sert? Alors, ça peut servir avec de grands efforts, à identifier un idéal qui permette à l'homme de toujours essayer d'aller un peu plus, de se dépasser lui-même. Et ça, Simondon, de ce point de vue-là, il a au moins la tonalité, le dynamisme, il l'a. Mais il l'a en prenant soin de rassembler le plus possible d'arguments dans les réalisations dont nous ne connaissons que le spectacle le plus apparent, en faisant apparaître tous les liens dynamiques qu'il y a entre les réalités, et en montrant que c'est le lien qui est l'essentiel, et pas les réalités. Et donc si vous voulez savoir l'essence de ces réalités, eh bien, il ne faut pas creuser la chose elle-même, mais la mettre en rapport avec ce qui n'est pas elle, et réfléchir sur le rapport. Lorsque Simondon était arrivé à Paris, il avait amené de Poitiers deux de ses collaborateurs, et André Doisan, très dévoué, très gentil, m'avait un peu pris sous son aile. Donc il venait me chercher à la fin du cours, il vérifiait que je travaillais correctement, et puis on allait prendre un pot. Et puis j'ai obtenu mon détachement, et pendant une année, j'ai été assistante de Simondon. Alors là, je l'ai connu. J'allais rue Serpente à son laboratoire. Et là, je le trouvais à son laboratoire. Son laboratoire, c'était très curieux. Le bâtiment de la rue Serpente, il était au premier étage, il me semble. Dans les hauteurs, il y avait la psychologie expérimentale. Le laboratoire de Simondon s'appelait laboratoire de psychologie générale. La première pièce était vide, entièrement vide. Il y avait une porte au fond. Au fond, il y avait une seconde pièce dans laquelle je ne suis jamais entrée, dans laquelle il entrait tout seul. Il restait pendant des heures et elle était, m'a-t-il dit, je pense, pleine de machines. Donc il jouait avec ses machines, c'était son univers secret. Il écoutait, mais il écoutait plus ce que vous étiez que ce que vous disiez. Il écoutait en dessous des mots. La communication avec lui était en dessous des mots. C'était insensitif, mais fort intelligent, il comprenait tout très bien, il me laissait faire absolument ce que je voulais, il ne contrôlait absolument rien. et j'étais censée enseigner la philosophie de la psychologie. Ça n'existait pas. Hein? Et à la fin de cette année-là, je m'étais dit qu'il fallait que j'apprenne un peu ce que c'est que les sciences, les vraies sciences. Hein? Et donc j'ai fait l'année préparatoire à la médecine. Je ne suis pas sûre que je lui ai dit. Je ne me souviens pas. Et à la fin de l'année, je lui ai dit, il faut que j'apprenne la philosophie des sciences, c'est pas possible de continuer comme ça. Je voudrais aller aux États-Unis, à Berkeley, étudier la logique. Et mon Simondon qui s'écrie, je ne comprends pas comment une femme peut s'intéresser aux mathématiques et à la logique. Bon, il avait raison d'ailleurs. Je suis revenue à la biologie, mais bon, c'est tout. Donc, avec l'aide de Simondon, je suis partie aux États-Unis et je ne l'ai plus revue. Parce que je suis partie pour 1 an, je suis restée 4 ans. Et quand je suis rentrée en 71 avec un PhD, il était déjà malade. En principe, je devais faire mon doctorat avec Simondon. Et je me souviens d'avoir eu une conversation téléphonique avec Simondon en 72 ou 73. Je crois me souvenir qu'il m'a expliqué qu'il avait eu un accident de moto sur l'autoroute. Alors, Simondon, un accident de moto sur l'autoroute, ce n'était pas croyable. Simondon était quelqu'un que j'avais connu, qui arrivait en costume 3 pièces, très bien habillé, pour faire ses cours à la Sorbonne, par le métro, par le train. Imaginez Simondon avec un casque de moto sur l'autoroute, et on m'a dit, ah mais depuis 68, c'est comme ça, Simondon a complètement changé, il vient faire ses cours en jeans et en moto. Bon, je sais qu'il a été hospitalisé à Sainte-Anne, que... je n'ai pas essayé de le voir. C'était trop douloureux. Cela dit, une fois que j'ai été psychiatre, je me suis dit que l'homme que j'avais connu avait un penchant à une espèce d'autisme. Il avait le contact de l'autiste, hein, extrêmement perceptif et exprimant très peu. Hein. C'est-à-dire, il vous sentait. On peut dire que son livre sur les objets techniques a été lu. Est-ce qu'il a été compris? C'est moins sûr. Est-ce qu'il a été lu entièrement? C'est moins sûr, parce qu'il est difficile à comprendre. Je pense qu'il a été dans beaucoup de bibliothèques et qu'en réalité, on a lu les premières pages et qu'on s'est arrêté là. Son intuition centrale, c'est que d'abord, il n'y a pas des individus. C'est une intuition d'ontologie, pas de biologie. Hein. Une intuition très, très générale. C'est de la métaphysique qu'il fait, Simondon. Hein. Il vous dit, Aristote a eu tort de dire qu'il y a des individus, que le monde est fait d'individus, d'atomes, de trucs séparés. Hein. Ce qu'il y a, c'est des processus d'individuation. Et le processus d'individuation commence par quelque chose d'individué, hein, c'est le pré-individuel, que Simondon croit trouver chez les philosophes pré-socratiques. Alors là, j'ai appris beaucoup quand j'ai pu, à partir de 2005, mais très tard, connaître les notes qu'il avait prises en faisant sa thèse sur l'histoire de la notion d'individuation. Et dans ces notes, on découvre qu'il a commencé, il a fait toute l'histoire de la philo, hein, il a commencé par les présocratiques et il a dit, voilà, ça c'est l'individué premier, le pré-individuel. Les présocratiques, ils vous disent, au commencement était l'eau, ou au commencement était le feu, ou au commencement était l'eau, le feu, la terre, et là, bon. Mais c'est un magma. L'indéterminé. L'indéterminé. Et de ça, quelque chose a émergé. Alors ensuite, il y a le schéma le schéma de Simondon, le schéma de l'émergence qui est le schéma de la cristallisation. Ensuite, il a baladé le même schéma partout. Et le schéma de la cristallisation, chez lui, c'est un schéma d'ingénieur, c'est un schéma d'observateur fin de ce qui se passe au fond du bocal, réellement. Il a vu que vous avez une solution salée qui est sursaturée de sel, mais où c'est encore de la flotte. Quand vous le regardez, c'est de l'eau de mer. Hein. Et puis, à un moment, ça commence à cristalliser, c'est le germe. Et à partir de ce germe, ça se transmet. Hein. C'est vrai, c'est comme ça que ça cristallise. Il a observé le phénomène. Et il dit, ben voilà, ça c'est le paradigme du processus individuant. Il applique ensuite le même schéma à la biologie, à l'individuation collective, ce qui était très très nouveau, et ce qui le fait psychologue. Hein. Donc ça, la portée est une portée très générale, et l'intuition première est une intuition ontologique. Darwin, il vous dit, l'évolution, c'est un progrès vers plus de complexité. C'est-à-dire ça va quelque part. Il y a une direction. Chez Simondon, il n'y a pas de direction. C'est-à-dire ça émerge, puis ça se redissout. Hein, votre sel. Vous rajoutez un peu d'eau, ça se redissout. Hein. Donc il n'y a pas de direction. Il n'y a pas non plus de jugement de valeur. Qui disent c'est le progrès, c'est mieux maintenant qu'avant. Non. Son intuition ontologique, c'est que l'être, c'est quelque chose dans quoi il y a des émergences. Puis éventuellement ça retombe et autre chose émerge. À mon avis, sa contribution en éthique, c'est à propos des objets techniques. Il dit que quand vous parlez d'éthique, vous êtes habituellement pris, sans vous en rendre compte, dans une culture particulière. Et vous réfléchissez en termes de cette culture qui admet certaines choses et qui en condamne d'autres. Et puis la culture voisine condamne ce que vous admettez. Et bon, donc il y a, au niveau culturel, des incompréhensions. Mais le jour où deux techniciens cherchant dans le même domaine trouvent une solution technique, ils tombent d'accord. La technique les réconcilie indépendamment de leur culture. Et Simondon affirme que par cette voie, on peut dépasser les limitations éthiques des cultures. Ça aussi, c'est génial. Quand on s'évade des machines réversibles, alors on arrive aux machines irréversibles qui sont des machines à information. Le premier téléphone de Bell était une toute petite machine, en ce sens que il n'y avait pas un écouteur et un microphone, il y avait une plaque vibrant devant un électroaimant polarisé, et cela pouvait servir indifféremment de microphone ou d'écouteurs. À chaque bout de la ligne, il y avait un seul appareil. Cet appareil, c'était une très petite machine. Le microphone de Hugues, au contraire, est devenu une véritable triode. On a ajouté une pile, c'est un amplificateur, il y a une lame vibrante, un bouton de carbone, les variations d'appui de la lame vibrante sur le bouton de carbone se traduisent en modulation, en intensité du courant fourni par la pile. ensuite vient un transformateur adaptateur d'impédance, et le courant est envoyé sous forme de courant alternatif dans la ligne qui alors peut devenir prodigieusement plus longue qu'avec le premier téléphone de Bell.